J'ai fait une dizaine de profit takers et j'obtiens que 351 000 crédits alors que j'ai booster et béné. Non, c'est juste que tu places mal Amkira. C'est juste que tu places mal ton effigie. Si tu es lost de la game, tu as une aura électrique qui va apparaître. C'est à cet endroit-là que tu dois mettre ton effigie de chroma. Le 4, d'accord ? Et il faut que le 4 soit actif au moment où les drops y tombent. Sinon, tu n'en bénéficies pas. Donc, il faut que tu ramasses et après, tu peux enlever ton effigie. Tu as compris ce que je t'ai dit ? C'est pas un problème difficile. C'est ce problème-là que tout le monde rencontre quand il commence les profit takers. C'est tout le monde a ce problème-là au début. Mais dès que tu auras compris comment faire, tu n'auras plus de soucis. J'ai testé le Didi Burner, compliqué de trouver un groupe, mais une fois le groupe fait, ça farme bien. Ah bah nice, ça c'est les baits. Qu'est-ce que t'as ouvert sur le Burner, dis-moi. J'avais le Vulpa. Bon, il faut que t'aies le Smita, mais dans tous les cas, la base, le minimum que t'es censé avoir avec Booster, c'est 500 000. Voilà, c'est la base. Salut Panda, j'ai besoin de ton aide, faut que tu m'aides à trouver une autre arme de mêlée à jouer. Depuis que tu m'as fait connaître les doublicorps, j'arrive plus à jouer, à arrêter de jouer avec. Une autre arme, bah, t'as joué Glaive et Serrata, c'est très très fort. Tu peux aussi jouer Scanna, tu peux jouer Furax, tu peux jouer Scanna Incarnon, Furax Incarnon. T'en as plein des biens, Jason, en vrai. Hein. T'en as plein des biens. Après, bon, si tu joues que celle-là et que t'as pexé déjà toutes les autres, c'est ok. Hein. C'est ok, fais-toi plaisir. Hein. Bonjour à Isen Prime. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Ça va super de mon côté. Nice. Ça va super, mon Frosty aussi. Bien la forme et toi. Bonjour à Make a Dream. Make a Dream, comment tu vas? On est malade à la maison, du coup on se pose sur WoW et devant ton live. Mais nice. Mais écoute, amuse-toi bien sur World of Warcraft, Make a Dream. t'es adorable, amuse-toi bien, courage, je te souhaite de vite te soigner, copine. J'étais pas lost, justement. Alors écoute, il faut que tu apprennes le placement, alors écoute, je te fais la démonstration de Spi, regarde. Je te fais la démonstration de Spi. Regarde bien, donc tu vois, je prends mon chroma spécial Profit Taker, d'accord ? Et on va y aller direct, hein, d'accord ? On y va cash. J'y vais en solo, hein, bien évidemment, hein, d'accord ? Pour que tu puisses bien voir. Regardez les gars. Les amis, oh. C'est son tout premier sub. 17 BP d'Octavia. Oh. Merci à toi, merci pour ton tout premier sub sur la chaîne, merci pour ton Prime, merci, tu n'en possèdes qu'un seul toi aussi, et c'est ton tout premier sur la chaîne, tu me l'as offert, ça fait extrêmement plaisir, merci à Yel Neros, bienvenue à toi, bienvenue à vous tous, merci du fond du cœur, poteau, merci du fond du cœur. J'ouvre mes grands yeux, allez c'est parti. Hop, ouais, je vais lui montrer. Par contre, 17 BP d'Octavia, c'est des baits, t'es giga chaud, mon ref. Hein. T'es giga chaud, hein. Donc là, je lance le Profit Taker, d'accord. Regarde bien, parce que ça va aller vite, hein. Enfin, ça va aller vite, non, t'as le temps de bien voir, mais il faut que tu reproduises bien, tu vois. Allez, c'est parti. Salut, quelqu'un peut me dire les armes à carnon qu'il y a cette semaine? S'il y a quelqu'un qui est dans son vaisseau, les gars, là, il peut le dire à Marcelito. Hop. Le boss, il pop ici. D'accord. Donc là, je me buff tranquillement. Bon, là, c'est pas le bon élément, tu vois. C'est le seul élément que j'ai pas, c'est celui-là. Donc là, je mets coup de contagion parce que c'est le slash. Là, c'est le gaz. Là, c'est le feu. Je l'ai sur le secondaire. Là, ça passe sur les patounes, tu vois. Hop, on casse les patounes. Je mets mon petit acolyte, comme ça, le fight se passe encore mieux. Là, je passe sur mon zénith. Je le passe en coup par coup. D'accord, ça, jusqu'ici, t'as bien compris. Hop. On pète tous les missiles un peu partout. Le petit dernier ici, je pense. Ouais. Ensuite, on reprend l'arch gun. On pète les papates. Je me rebuffe au cas où pour pas le perdre. Il en reste une là. Hop. Allez.
Voilà, maintenant ça je l'ai sur la mêlée, ça je l'ai sur la principale, la glace aussi, la radiation secondaire, virale secondaire, électrique mêlée. Voilà, quand tu bouges jamais tes builds, tu sais exactement où sont tous tes éléments à force. Hein. Voilà, je tape la tête. Donc là il va refaire pop tous les missiles, j'en profite, je me rebuffe, tu vois, même s'il me reste du time dessus. Au moins je suis tranquille, je pète les pylônes comme ça il n'y a pas trop d'ennemis. Là je vois que ça va pop dans ces eaux là, d'accord, donc hop, on pète tous les missiles. Merde, j'arrive pas à le toucher. Il doit y avoir un mur. Ah, il y avait le mur, ouais. On l'a vu. Et il y avait deux fois le mur en fait, c'est pour ça. Ok, donc je remets mon deuxième pouvoir, je remets mon troisième pouvoir. Là, il est en poison, je l'ai pas, donc je l'enlève. Là, je suis en gaz, feu. Voilà, maintenant je reprends mon archgun, je fais la dernière phase, d'accord. Voilà. Et c'est fini, je tape la tête. Et tu vois là, je suis derrière lui, tu vois cette patte là, regarde bien, hein, d'accord. Ne regarde pas l'aura électrique, hein. Regarde cette patte. Tu vois? Là, maintenant, attention. Là, elle a touché le sol. Ça veut dire que c'est ici que je dois le mettre. D'accord? Tu l'as vu? À un moment donné, elle claque le sol. C'est ce moment-là qui veut dire c'est ici que tu dois mettre ton effigie. Et c'est ça que tu dois entraîner, en fait. Jusqu'à temps que tu le captes. Et là, du coup, normalement, j'ai un booster. Je vais vérifier. J'ai pas bien vu. J'ai eu les 500 000. Pas de gauche, merci. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça.